En 2020, le Cameroun a importé une cargaison totale de 860 000 tonnes de blé, relève l'étude sur le positionnement stratégique de la filière fabrication des produits à base de céréales, rendue publique le 25 août 2021 à Douala par le Bureau de mise à niveau des entreprises BMN camerounaises. Ces importations, qui ont coûté environ 150 milliards de francs CFA, sont en hausse de 30 000 tonnes en glissement annuel. Elles se rapprochent progressivement de la barre de 900 000 tonnes d'importation projetée en début d'année par le ministère du Commerce et les opérateurs de la filière. La Russie est le premier exportateur de blé vers le Cameroun avec près de 300 000 tonnes, suivi par le Canada avec 144 000 tonnes, la France avec 117 000 tonnes et les États-Unis avec 54 000 tonnes, énumère ainsi l'étude de BMN. En effet, depuis la faillite de la Société de développement du blé, la SODB, en 1980, l'intégralité du blé consommé au Cameroun est importée. Ce statut d'importateur attitré de blé permet à des négociants internationaux tels que la société française Cérealis de réaliser de bonnes affaires au Cameroun. En effet, en 2015, Rémi Depoix, président de ce négociant français, a révélé que cette entreprise spécialisée dans les négoces des céréales exporte vers le Cameroun environ 200 000 tonnes de blé chaque année, ce qui représente selon lui environ 20% du chiffre d'affaires de Cérealis.